Alors, bien le bonsoir à tous. J'espère que tout le monde me reçoit. Et je vous dis déjà bienvenue à cette nouvelle présentation de la technologie Accord Skyway. Eh bien, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de cette belle technologie, de cette brillante technologie qui ne cesse de se faire disputer par tous les médias du monde entier. Et aussi, nous avons de grandes nouvelles. Déjà, quelques nouvelles par rapport à l'évolution des travaux à Sharjah. Nous parlerons aussi de cet article sur CNN qui parle de notre technologie Accord Skyway. Et aussi, nous parlerons de quelques projets, du projet de ligne Skyway à Dubaï pour allier les ports, le port Jebel et l'aéroport Al Maktoum. Alors, déjà, sans manquer mes obligations, bien évidemment, Donatien Gérard, je suis investisseur dans ce projet depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Et à chaque fois, je suis très content, comme je le dis toujours. Je souhaite vraiment que tout le monde puisse entendre parler de cette opportunité Skyway aujourd'hui d'investir dans ce projet de transport innovant. Parce que nous créons l'un des plus grands business de toute la civilisation, à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. J'espère que tout le monde voit véritablement où est-ce qu'on part et saura saisir cette opportunité très rare qui arrive pratiquement tous les 15 ans. Bien, sans toutefois tarder, donc, en guise de commencement, nous parlerons d'une petite histoire. Nous verrons une petite histoire sur le développement du transport Uniski String Technology. Tout a commencé en 1977. C'est l'année où a été lancé Uniski Transport. Tout a commencé en ce moment-là et Anatoly Uniski, qui est l'ingénieur et inventeur biélorusse de cette technologie, y a consacré toute sa vie. Il a consacré sa vie à trouver, développer et exploiter des solutions de transport, d'infrastructure et d'économie de qualité, permettant d'améliorer la qualité de vie. Son approche de la mobilité convient à un nouveau et meilleur mode de vie car elle réduit les impacts environnementaux négatifs causés par les activités technologiques humaines, y compris les émissions de carbone. Jeune homme, il était fasciné par l'idée d'exploration spatiale sans fusée et le concept de transport spatial sans fusée. Et à l'époque, il s'est rendu compte qu'il était d'abord important de résoudre le problème des infrastructures sur Terre. Plus de 600 ingénieurs hautement qualifiés sont aujourd'hui employés par une seule entreprise, Uniski String Technology, basée en Biélorussie, près de Minsk. Au cours des 40 dernières années, l'ingénieur Anatoly Uniski et son équipe ont passé plus de 5 000 ans de travail, soit plus d'un million et demi de jours d'hommes à développer une Uniski String Technology. En 2014, un groupe international d'entreprises a été organisé pour développer une technologie pour les passagers, pour les passages supérieurs, autant pour moi, avec des structures ferroviaires post-contraintes.
La mission est de concevoir et de construire des routes surélevées au-dessus du sol, y compris des autoroutes interurbaines, urbaines, régionales et de fret sur tous les continents. Alors, actuellement, au centre d'essai et de certification Uniski String Technologies de Sharjah, la construction des poteaux d'ancrage de la quatrième ligne lourde qui s'étend sur 288 mètres se poursuit. Les travaux avancent très bien. Voici quelques images. Et nous disons courage à ceux des ingénieurs qui travaillent. Ce n'est pas facile, mais nous savons que le succès n'est pas facile et que nous y arriverons. Projet ciblé et perspective technologique. J'aime bien savoir que je suis en train de vous parler de ceci parce que sur le site web de CNN déjà, un article a été publié récemment sur le développement du Uniski String Technologies de Skyway aux Émirats Arabes Unis. Les journalistes de la publication ont décrit les principaux avantages du transport à cordes, indiqué où les futures pistes peuvent être construites et préparé une courte vidéo du centre UST de Sharjah. Voici les faits saillants de l'histoire de CNN sur notre résumé. Bien. Au début de l'article, les auteurs notaient que le réseau urbain Skyway peut accueillir 10 000 passagers par heure à une vitesse de 150 km par heure. Lors des tests à Sharjah, cependant, les véhicules roulent à des vitesses supérieures pour des raisons de sécurité. L'article mentionne en outre que le coût de construction de 1 km de Skyway est de 10 millions de dollars. À titre de comparaison, la construction d'un même tronçon de métro coûte beaucoup plus cher, jusqu'à 150 millions de dollars. Le projet parvient à réduire les coûts de construction en raison de la plus petite quantité de matériaux utilisés. Stéphanie Hack, associée du cabinet de conseil McKinsey et compagnie, a commenté les avantages du transport de cordes dans un article. Les Skyport, la marque Skyway aux Émirats Arabes Unis, sont souvent comparés à des monorails ou des téléphériques. Mais les Skypods offrent plus de flexibilité. Faudrait que chacun le note. Dans un téléphérique, vous avez un véhicule et il se déplace toujours à la même vitesse. Dans Skypod, vous pouvez utiliser de nombreux véhicules différents sur une infrastructure particulière. La partie la plus intéressante du matériel est consacrée aux perspectives de Skyway. Aux Émirats arabes unis, en particulier, les journalistes ont souligné que le projet avait reçu une approbation de la piste dans la ville de Korfakkan. De plus, la technologie Skyway suscite un intérêt à Dubaï. Dans le même temps, un représentant du centre L'UST de Sharjah a souligné que le développement du projet ne se limite pas aux Émirats arabes unis. Nous voyons que les zones les plus prometteuses pour nous sont au Moyen-Orient et en Asie. Des endroits où une croissance démographique naturelle, comme l'Inde et le Pakistan. Des faits plus intéressants sur Skyway peuvent être trouvés dans la vidéo publiée dans l'article, également produite par des journalistes de CNN. J'espère que vous voyez à quel point notre projet est en vogue. Notre projet est quelque chose qui évolue dans le temps, est quelque chose qui est un must
et qui va s'imposer de lui-même au monde entier. J'espère que tout le monde se rend compte de cela. Celui qui ne se rend pas compte de cela maintenant, il est bon de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Notre projet Skyway, c'est une solution innovante aux problèmes modernes du transport urbain, de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet qui est développé en Biélorussie et aux Émirats arabes unis actuellement. Nous avons la possibilité de devenir copropriétaires d'une telle technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Permettra d'éviter les embouteillages. La structure de voie étant au-dessus du sol, bien évidemment. Skyway peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel de climat. En 1914, l'usine de confiterie russe appelée Eniem produisait des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. En voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, il y a représenté ce transport inhabituel. L'artiste a prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre, le pandémonium des hommes et des machines. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent en essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez, vous êtes carrément déjà familière, pas seulement sur les images. C'est notre monde, le transport de niveau 1, qui se déplace directement à la surface de la Terre chaque année. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements du transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes et le manque de sécurité causant ainsi la mort des personnes, ce qui est un très grand problème. En construisant des routes, aujourd'hui, l'homme envahit la nature. La nature, elle, elle vit sa vie et résiste à l'homme. Celui-ci est tellement persévérant, à un point qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Celle-ci ne peut plus du tout supporter, ce qui nous amène donc directement au troisième problème majeur de notre époque, qui est la pollution de l'environnement. Il faut savoir que le passage du transport moderne à l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, nous entamons le quatrième défi qui est celui de réduire la consommation d'énergie. Donc, dans différentes années, de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins et les forêts. Mais malheureusement, cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers énormes et massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et aujourd'hui, donc, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule véritable différence.
Plusieurs tentatives de résoudre ces problèmes existent, mais sont toujours avérées inefficaces. Ces photos n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens-là leurs roues rouleaux par des roues moteurs, nous obtenons un nouveau système de transport. Mais attention, il ne faut pas le confondre, ce système de transport, avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur de la montagne. Le transport donc que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Mais avant d'entamer en plein ce système de transport et de voir comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont les étapes de production, je veux dire, les étapes de réalisation, j'aimerais que nous lisions ensemble cette assertion d'Anatoly Yunitskiy. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. J'espère que tout le monde comprend où nous allons. Ainsi donc, faisons le pas en avant et fixons-nous le problème qui est celui de se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre pour la construction d'un chemin, d'une autoroute ou d'un chemin de fer, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, en bref, de détruire la faune et la flore, comme on peut le voir sur ces images déjà. On peut donc tout voir cela sur cette image. Bien. La prochaine étape consiste donc à créer une couche, une fondation multicouche de 2 mètres sur la route. Et seulement alors à ce moment, nous pouvons poser le rail. Nous pouvons poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant pont. Rappelons la méthode donc utilisée par les enfants au-dessus de la rivière, avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on pose donc le câble. Les supports lourds ne seront pas nécessaires ici, on les remplace par des supports légers et on va tirer donc le câble. Les extrémités de ce câble sont fixées dans le sol de la même manière que les câbles sont, les cordes, autant pour moi, sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires, les supports intermédiaires, et ensuite nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons donc une structure de rail unique. C'est donc ainsi que cette structure ressemble en section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet. Une structure de trajet rigide, une autre semi-rigide et une autre flexible, et à chacune ses propres tâches et ses propres avantages. Regardez donc sur cette image les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci est un photomontage qui montre
des haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas donc, ceci c'est une image du pont sur la Divina occidentale, la Riga. Vous pouvez donc, en passant donc dans ce cas, vous pouvez passer de support intermédiaire, vous pouvez vous passer de support intermédiaire dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci, ce n'est pas un photomontage, mais plutôt une vraie photo prise en 2019 dans l'éco-technoparc de Skyway près de la ville de Minsk. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail est qu'elles n'ont pas de soudure. Ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. Bien évidemment, l'absence de pilote et le passage au contrôle automatique élimine donc par conséquent l'influence du facteur humain, ce qui est aussi un grand avantage. Rassurez-vous, la conception a un système anti-sortie spécial, anti-déraillement spécial. Il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons donc à ces photos déjà familière, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non simplement la simplicité, la compacité, la puissance, mais aussi le niveau de consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. On peut voir déjà ici que le coefficient de traînée pour l'unibus à grande vitesse de Skyway qui a présenté ici en schéma est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture moderne conventionnel. Voici donc en grandeur nature l'appareil qui vient d'être montré sur le schéma précédent. Cet engin, ce ténibus à grande vitesse, permet d'économiser donc jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est carrément énorme. Cette image montre clairement les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Avant de continuer, donc, rappelons les problèmes liés au transport moderne, à savoir la surcharge des voies de transport, de 1, le manque de sécurité, de 2, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Ainsi donc, sur ces différents graphismes, on peut voir que le système de transport Skyway résout ces différents problèmes et est le meilleur, le plus efficace, il faut le dire, sur le marché actuellement. Que ce soit en termes de coût du capital, du coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie,
la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accidents de transport. Ainsi, ce graphique montre clairement aussi l'avantage du transport accordé par rapport aux autres transports existants. Et voici une comparaison des types de développement terrestre les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. On se rend compte que le système de transport Skyway est près de 10 fois inférieur à celui des autres systèmes de transport. Regardez juste la dernière colonne. C'est carrément énorme. Alors, Skyway donc est le transport de deuxième niveau que tout le monde attend. C'est un transport léger, sûr, économique et surtout écologique. Regardez vous-même comment c'est beau, comment c'est magnifique. Joint à la fois l'utile et l'agréable. À tout seigneur, tout honneur, l'auteur de cette technologie, c'est ce monsieur Anatoly Nitsky. Il lui a fallu 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voie le jour. Ce monsieur est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies. Il est auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies et 200 articles scientifiques. Membre de la Fédération de navigation cosmique de l'USS, président du conseil d'administration du groupe de société Skyway. Les détails sur sa biographie et ses développements peuvent se trouver sur son site unitki.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Vous pouvez y faire un tour et vous serez satisfait, vous serez vraiment servi. Ici, on a donc quelques modèles d'engins développés par la technologie Skyway. Actuellement, sept modes de transport pour les passagers ont été développés et voici donc en grandeur nature ces différents engins. Ces photos ont été prises à l'éco-technoparc de Skyway en Biélorussie. Sont des images réelles. Quatre modes de transport également pour les marchandises aussi ont été développés, vous pouvez les voir là. Le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus du sol, au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport et s'intègre facilement à n'importe quel environnement peut prendre le minimum d'espace à la surface du sol. Ainsi donc, ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour le transport à cordes. Il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies d'immigration des animaux, de bloquer les voies d'immigration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès minimal qui soit au sol et avec les méthodes modernes de livraison de structures. Par des drones volants, fournis également par la technologie. Il n'est pas nécessaire, autant pour moi, de poser des voies d'accès aux installations, des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Il peut traverser des bâtiments sans surcharger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises, que vous voyez là, en 2018 à Berlin, lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand des téléphériques suisses et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. Un audit a été effectué par des représentants de KPMG pour
sur la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux Skyway et elle a été évaluée à 400 milliards de dollars. Je tiens à rappeler que KPMG est l'une des quatre plus grandes, est l'un des quatre plus grands cabinets d'audit au monde à côté de Deloitte, Ernst & Young et PwC. Si la technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine jusqu'aujourd'hui, et aussi plusieurs certificats, brevets et récompenses. Ici, vous ne pouvez voir qu'un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société USK String Technology a été créée en Minsk, en République de Russie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport de marchandises et de passagers, transport urbain et interurbain, à vitesse, à grande vitesse et à hyper vitesse. Suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. Quatre autres modèles, y compris la version tropicale, sont actuellement en cours. D'exécution non loin de Minsk se trouve l'Écotechnopark, le premier site d'essai et de certification de démonstration de la technologie à cordes. Cette photo a été prise en 2016 avec un plan comme celui que vous voyez en haut à gauche de construction de cet Écotechnopark. Déjà, après 3 ans, cet endroit ne peut plus être reconnu depuis 2019. Regardez vous-même, c'est magnifique. Chaque année, à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations, s'assurer de la réalité de ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici y est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation Skyway aux Émirats arabes unis, dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation Skyway de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez sont prises en 2019 sur le site construction de Sharjah et je crois que vous êtes d'accord avec moi que le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que cela soit mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus, tout comme le fait le métro et le tram aujourd'hui ne nous surprennent plus du tout. Dépêchez-vous, les amis, dépêchez-vous. Bientôt, vous n'aurez plus la possibilité de devenir copropriété de toutes les technologies que l'entreprise réalisera. Et pour ce faire, vous devez investir avant la fin de l'étape 15. Combien de fois vais-je devoir le dire? Combien de fois vais-je devoir le dire, les amis? Dépêchez-vous. Le projet avance à grands pas. Ne soyez pas de ceux qui diront si j'avais su. Une solution possible pour Dubaï de Uniski String Technology. Eh bien, il s'agit ici d'un hub logistique qui est une solution possible pour Dubaï. Il y a aussi une feuille de route qui indique exactement comment ce travail
se déroulera. Parce que le plan de Dubaï, déjà pour 2040, est de faire de Dubaï la ville, la meilleure ville où il fait le plus beau vivre au monde. OK? Et voici une feuille de route qui est tracée pour que d'ici 2040, Dubaï puisse atteindre ses objectifs en matière de transport. Et pour ce faire, elle a choisi d'implémenter déjà la technologie Skyway. Une solution possible donc pour Dubaï, d'une discussion de technologie, c'est un hub logistique avec cette feuille de route que vous voyez là. Commencé depuis avril 2021, où il y a eu une rencontre avec l'équipe technique de DPW au centre UST de Sharjah. En mai, il y a eu la signature du traité de recherche et de développement. En octobre 2021, il y aura signature du contrat de construction d'une ligne de conteneurs à partir du port Jabal Ali. Conception et construction, puis mise en œuvre en service de la ligne de conteneurs d'octobre 2021 à octobre 2023. Ensuite, il y aura une coopération mondiale entre DP World et Skyworld et Uniski String Technology, autant pour moi, à partir d'octobre 2023 et au-delà, les coopérations ne seront que grandissantes. Ce hub logistique qui veut être construit est une solution unifiée pour le transport de passagers et de cargo. Ces trois lignes permettront de rallier Port Jebel Ali à l'aéroport international Al Maktoum et l'aéroport international de Dubaï. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le trajet est très clair. Nous pouvons donc résumer en disant que le transport Skyway est un transport innovant, à grande vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable, ce qui est un très grand avantage et surtout, surtout écologique. Et bien, avec toutes ces descriptions de ce système de transport, je crois que celui qui ne trouve pas son compte a beaucoup de choses à revoir. Parce que nous sommes en train de résoudre les problèmes du transport moderne aujourd'hui avec ce nouveau système de transport. Alors les amis, profitez-en au max, lancez-vous, investissez dans le projet aujourd'hui, prenez le lien vers celui qui vous a parlé du projet, créez votre compte, faites-le vérifier par l'entreprise et choisissez un pack. C'est une richesse générationnelle que vous êtes en train de créer en investissant aujourd'hui dans le projet Skyway. Alors, avant de vous laisser, bien évidemment, comme à l'accoutumée, je vais vous mettre cette vidéo de présentation des différents modèles de véhicules utilisés dans la technologie à cordes Skyway. Je vous dis donc à très bientôt les amis, à lundi prochain pour un autre webinaire de présentation de cette belle technologie à cordes Skyway. À ciao.